Exode 14, 14. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Dieu dit qu'il combat pour toi et qu'il combattra encore pour toi. Mais toi, tout ce que tu as fait, c'est de te taire. Waouh. Dieu dit de te taire, mais pourquoi est-ce qu'il te demande de te taire lorsqu'il est en train d'affronter tes ennemis? C'est sur le champ de bataille. Ok, tu imagines un peu, un soldat qui va sur le champ de bataille, il y a des missiles, il y a des bombes, il y a tout explose partout, et puis ton chef ou même ton commandant te dit, tais-toi. C'est-à-dire, toi, tu es là, tu te tais, et puis lui, il combat pour toi. Avec toutes ces explosions, il ne faut même pas te faire crier, il ne faut même pas te faire t'effrayer, il ne faut pas te dire, ouais, mais je vais mourir. Il dit, tais-toi. Le silence est l'une des armes spirituelles les plus puissantes de protection. Je vais reprendre encore. Ou bien je vais dire encore, le silence est une arme de protection redoutable. Alléluia. Je veux te parler ce matin pour que tu te taises. Parce que tu ne peux pas combattre ou l'Éternel ne peut pas combattre pour toi et toi tu livres tes secrets. Je vais vous parler d'un songe. Ils vont dire encore, le prophète Yahoumé, c'est songe. Mais il faut que je vous parle parce que Dieu parle à travers les songes. Et je vais partager ça avec toi pour que tu puisses réussir dans ta vie. Ceux qui parlent beaucoup, ceux qui livrent beaucoup leurs secrets, livrent beaucoup leurs projets même, qui n'ont même pas encore fait quelque chose déjà, tout le monde est au courant. C'est-à-dire ceux qui ne sont pas discrets ne peuvent pas réussir dans la vie. Excusez-moi, mais c'est la vérité, je vous dis. Parce que l'ennemi, ce que vous ne savez pas, l'ennemi ne peut pas lire dans ta pensée. Or, c'est une doctrine que, bon, mais, viens en délivrance. C'est pour ça qu'il y a des gens, ils sont toujours en délivrance. OK? L'ennemi, même si, dans la démonologie, il y a ce qu'on appelle les esprits humains, ou bien les esprits des émotions. Je vais revenir dessus dans cette semaine parce qu'on va faire la guerre des émotions. Même s'il y a un esprit qui s'est infiltré dans tes émotions depuis ton enfance, je dis bien que je vais revenir dessus encore concernant la guerre des émotions. Voilà, vous allez trouver ça dans mon livre qu'on appelle Vaincre les esprits de l'ombre. Donc, s'il y a un esprit de l'ombre qui a possédé ton émotion depuis ton enfance, il est quand même restreint. Il ne réussit pas à lire ce que tu veux faire. Il ne réussit pas à contrôler tes aspirations en tant que tel. C'est-à-dire, il est limité. C'est-à-dire, quand Dieu te donne quelque chose, une révélation, Dieu te dit, voici ce que j'ai fait dans ta destinée prophétique, ainsi de suite. Il ne réussit pas à saisir ça parce que la parole de Dieu est un feu. La parole de Dieu est un feu. Donc, il ne réussit pas à... Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Écoute-moi bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer, puisqu'il ne sait pas ce que tu veux faire. Il ne sait pas tes aspirations. Le projet est en toi, mais ça ne sort pas. Il va envoyer ce qu'on appelle les provocateurs. Répète avec moi, les provocateurs. Les provocateurs, il y en a de deux types. OK? Il y a la provocation par la colère. OK? Et quelqu'un va venir, il va te mettre en colère. Et puis tu es fâché. Et tu commences à sortir des choses. Moi, mais je suis fatigué de vous. C'est quoi ça? Je suis en train de préparer comment il a fait un jour. Je suis en train de préparer mon projet de construire ma maison pour quitter ici. Tu as livré le secret. Mais tu as livré le secret. Ce sont des provocateurs qui viennent agiter la colère dans votre cœur afin de faire sortir de vos entrailles ce que vous avez caché. Faire sortir de votre corps, sortir de vos pensées. Tu livres. Ce que Dieu t'a dit. D'autres même sont fâchés dans l'église, même qui disent, c'est quoi ça le Seigneur? Une fois j'ai reçu une révélation, mais Dieu m'a dit ça. C'est-à-dire, il vient te provoquer pour que tu sortes. Garde le silence. Il y a un autre groupe aussi qu'on appelle c'est une sorte d'ennemi qui vient te défier, en fait. La défiance, voilà. Les ennemis de la défiance pour soulever ce qu'on appelle la frustration. Simple. OK? La frustration. Je donne un exemple. Tu vas quelque part, on installe tout le monde et puis toi, on te néglige, on te met quelque part de bizarre, tu es frustré. OK? Et quand tu es frustré, tu te plains. En te plaignant, tu veux aussi montrer que tu n'es pas n'importe qui. Donc tu vas sortir des choses. Vous pensez que moi, je suis n'importe qui? Moi, j'ai ma voiture.
Moi, je suis en train de faire ça. Donc, parce que tu es frustré, tu livres le projet et eux, ils s'en saisissent. Automatiquement, l'information est donnée et voilà, attaquer la chose pour la détruire. Parce que le diable a besoin d'avoir des informations livrées par celui qu'il veut détruire. Toi-même. Livré par celui qui va détruire. Je vais vous parler du songe parce que je vais revenir dessus. Puisque il y a des petites astuces pour devenir puissant sur la terre, dit avec moi, amen. Il y a des petites astuces pour devenir grand sur la terre, dit avec moi, amen. Il y a des petites astuces pour devenir prospère, c'est-à-dire pour avoir une vie honorable, pour que ta renommée, non pas l'éternel, puisse aller au cas de sainteté. Il y a des attitudes, ce que j'appelle les attitudes. Les âmes d'attitude, les âmes sputées d'attitude. La Bible nous parle des âmes offensives, les âmes défensives, mais vous avez oublié aussi, ou bien vous ne savez même pas qu'il existe des âmes sputées d'attitude, dont la première, c'est quoi? C'est le silence. Je te parle aujourd'hui. Et je fais le songe, je suis avec des personnes, c'est comme il y avait une réception, une réunion de famille, voilà. Et puis, bon ben, chacun parlait des reproches qu'il doit faire aux uns aux autres. Le songe était clair. Et l'un de mes parents directs, il dit, s'il vous plaît, je peux parler. Tout le monde s'est tué dans le songe, dans le songe. Et puis, je suis arrêté devant lui, et puis il me dit, toi, ce que je te reproche, c'est que tu ne dis pas ce que tu veux faire. C'était tellement clair. Il dit, la seule reproche que lui me fait, c'est que quand je veux faire quelque chose, je ne fais pas sortir ça. Tu ne parles à personne ce que tu veux faire. Tu as restreint tes amis. Pour ne pas que tu puisses donner. Il a commencé à citer. Il dit, c'est la seule chose. Ce que je ne réussis pas à avoir les informations puisque tu ne parles pas. Waouh. Et dans le sens, moi, je lui dis, oui, je ne parle pas parce que je suis prophète. Il dit, ah, oh, il est au courant, hein? Il est au courant que je sais Dieu. Mais dans le son, je me dis, ah oui. L'écrivain prophète Yahou Moïse. Ne parle pas. Je vous dis ça, ma force, c'est le silence. C'est pas ce que je suis en train de donner, c'est biblique. C'est pas moi ce que je suis en train de donner, c'est biblique. C'est quand j'ai fini de réaliser quelque chose là. Et puis maintenant, cette chose est aux yeux de tout le monde. Ah, c'est la faillite du oui. C'est quand j'ai fini qu'ils sont informés. C'est pour ça que j'ai dit. Tu parles trop. Tes collègues, tu parles trop. Même dans l'église, il ne faut pas parler. Aïe, aïe, aïe. Même dans l'église, parle pas. Parce que tu ne sais pas qui sont les membres de l'église. J'ai une soeur ici en Côte d'Ivoire. Je lui ai donné ce conseil. Les choses de ton foyer là. Faut pas aller livrer ça au pasteur, au diacre, au coca. Tais-toi. Bon, avec les doctrines qu'on a enseignées, elle n'a pas pu tenir. Elle allait parler du problème du sexe de son mari au pasteur. Bon, le pasteur dit, bon, faut faire venir ton mari, on va prier pour lui. Au lieu de prier pour lui, la femme du pasteur, elle a une petite sœur qu'on donne à ce monsieur. Et quand on a donné la petite sœur à ce monsieur, le sexe du monsieur a repris connexion. Le temps la sœur va se rendre compte, son mari soit avec la petite sœur du pasteur. Et là-bas, la connexion, je ne sais pas si on ne peut pas appeler, pour lui-même, c'est 7G, 10G même, 100G même. Ce n'est pas 4G, 5G. Elle est tombée enceinte. Scandale dans l'église.
Elle vient pleurer. Je lui ai dit, je t'ai dit, tu parles trop. C'est ça. Le diable ne peut jamais vaincre quelqu'un qui a une très bonne vie de prière et qui est dans le silence. Dis-moi Amen. Il ne peut pas vaincre quelqu'un qui a une vie rigoureuse de combat spirituel à haut niveau et puis qui garde tout en lui, il ne sort pas ça. Mais qui active la foi pour poser des actions, pour créer des projets, pour faire. Il ne parle pas, mais il applique. Oui, c'est ça. Quand Noé était en train de faire le bateau, sûrement, il parlait pas. Dieu lui a dit ça. Et tous sont venus. Mais il est en train de faire quoi comme ça? Ils ont vu de leurs yeux, il n'a pas parlé. On dit qu'il était fou. En plein soleil. Il a reçu la révélation. Vous vous souvenez de Joseph aussi, non? Dieu lui a donné la révélation sur la grandeur qu'il va faire de lui. Tais-toi, sans parler à son père et à ses frères. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont vendu. Ça a allongé même. Peut-être que s'il s'était tu, ça allait être plus glorieux même. Peut-être encore plus glorieux, comme Dieu est amour. Il a récupéré son erreur jusqu'à elle arriver dans sa destinée prophétique. Parce que quand tu parles, tu allonges le temps de l'exécution de ta bénédiction. Quand tu parles, comme Dieu est amour, il peut récupérer un peu devant. Il y a d'autres, mais il ne récupère même pas. Parce que il dit, par ta propre faute, tu perdras ton héritage. Donc souvent, nous-mêmes, on fait des erreurs qui font que nous perdons nos grâces. Nous sommes dans un monde où il y a la rivalité, il y a la concurrence. Chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Nous sommes dans ce monde-là où chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Tu as besoin de te taire. Tu as besoin de garder le silence. Ce frère qui m'a parlé a fait comprendre que le silence est l'une des armes les plus puissantes dans la protection spirituelle. Ils ne peuvent pas te vaincre. Ils ne peuvent pas te vaincre. Parce qu'ils ont, ils ont des agents. Hein. Ici en Côte d'Ivoire, on appelle ces femmes-là les affairées ou bien les affairages. C'est-à-dire, le proverbe parle de la femme qui ne reste jamais dans sa maison, qui est toujours dans les rues. C'est-à-dire, elle est plus qu'un satellite. Et je vais vous raconter, je vais vous faire comprendre que quelqu'un peut avoir une seule oreille, hein, ou bien ces deux oreilles-là. Mais ses oreilles sont aussi des multiprises des autres oreilles. Quand tu lui parles là, quand tu lui parles, d'autres personnes entendent alors qu'elle est seule devant toi, spirituellement. C'est-à-dire, elle l'écoute pour les autres. Tu donnes ton information, tu es étonné, le lendemain, tu fais rêve. Ah, je ne sais pas tout ce que j'ai fait là, je voulais construire ma maison. En même temps, les briques sont tombées, j'étais au village là-bas, j'ai vu les briques tomber, tout ça, ma maison s'est écroulée, tout et tout. Mais c'est à qui tu as parlé, elle a d'une vitesse, lumière, elle a livré ça rapidement. Tous tes ennemis savent ce que tu veux faire. Comme un frère, un jeune, tu as fait une erreur fatale. Moi, je dis à ma femme que c'est une erreur qu'on ne fait pas. Lorsque j'avais fait l'accident, je crois, en 2021, je pense bien. Dans le même bus dans lequel on était, parce qu'on était obligé de prendre le bus, un jeune qui devait prendre son vol à 23h GMT. Et le car a fait le tonneau à 14h, 13h, 14h. Prends ton sac. Va à l'aéroport, tu vas partir, tu allais dire au revoir à tes parents. Tu allais dire au revoir pour partir. Il prend ses bagages, il prend le car. Tais-toi. Garde le silence. Prends ton vol pour aller au Canada. Tu viens parler ça, de ça au village. Après de, je sais même pas comment, après de 400 km.
à près de 400 km de, je pense bien, 300, 400 km de la capitale Abidjan. Quand le cas s'est brisé, s'est retrouvé avec le sang sur lui. Dieu l'a fait grâce, nous a fait grâce. Lui, il a son même petit écorché au niveau du front de la tête là. Donc le sang coulait légèrement, c'est tout. Et c'est là qu'il va me sortir son passeport. Il dit, pasteur. Et il va me raconter l'histoire. Je lui ai dit, mais écoute, c'est pas tout on dit aux gens. Hein. Il y a des corps des gens qui écoutent. Quand il parle à quelqu'un dans son corps, là, il y a des micros spirituels qu'ils ont mis. Et dans la légion de la sorcellerie, il y a des personnes qui sont spécialisées dans ce domaine. Et ils vont recueillir que des informations pour livrer au monde des ténèbres, pour livrer à tes ennemis spirituels. C'est ce qu'on appelle les femmes affairées. Un peu net coup, elle s'en va quelque part. Toutes les affaires, ça. Ici, on dit, excusez-moi, ici, on dit, sa bouche, c'est-à-dire, elle est dans toutes les affaires qui ne la concernent pas. Quand elle attend un verre qui est cassé net, elle court rapidement, elle s'en va. C'est quoi qui est tombé ici, là? C'est-à-dire, elle est partout, elle est désagréable. Elle est partout, il y a des petites affaires. C'est-à-dire, elle est là, elle fait les ragots, tirer la tête, prendre des jumelles, regarder dans la cour des autres. C'est-à-dire, elle est là seulement pour recueillir les informations des autres. Et pour livrer ça au conseil de sorcellerie, c'est une informatrice ou bien un informateur spirituel. Donc Dieu a fait grâce à ce jeune frère, il est parti au Canada après m'a appelé. Mais c'était aussi une leçon pour lui. Il y a des choses, même ta propre femme qui est avec toi, vous avez dit que non, peut-être le prophète Yahoua exagère. Moi-même, ma propre femme qui est avec moi, il y a des choses, je ne lui dis pas. Mais non, la Bible dit, je crois dans le livre de Matthieu, bien, que celui qui est marié se comporte comme s'il ne l'est pas. J'ai cherché le sens de ce verset qui m'a troublé depuis 2001. J'ai dit, mais comment est-ce qu'on peut être marié? Et puis Dieu dit que même si tu es marié, il faut te comporter comme si tu n'es pas marié. Mais non, mais ce n'est pas possible. C'est quelle contradiction ça a? Au début, moi, je disais, mais ou bien veut nous envoyer dans l'infidélité, mais ça, après, j'ai compris le sens. Il y a des choses que tu dois garder pour toi. Tu dois te comporter comme si tu n'étais pas marié. Tu gardes ça pour toi. Parce que tu peux mettre tes enfants en danger en livrant ça à ta femme. Ou bien à ton mari. Spirituellement, je parle de spirituellement. Hein. Comme un frère ici, que je cache le nom, en l'appelant Claude. Il a eu de l'argent. Non, mais je suis content de vous parler. Peut-être que je sens que c'est en train de livrer quelqu'un. C'est en train de libérer la vie, en train de décharger le joug sur la pensée de quelqu'un, en train d'affranchir quelqu'un. Parce qu'avec le prophète Yahou Moïse, vous savez que moi je suis sans détour, je te donne la chose comme ça. Ça te plaît pas, je t'ai donné, mais c'est pour ton bien que je te donne. Tu es là, tu travailles à l'aéroport ici en Côte d'Ivoire, tu as un bon salaire, tu fais tes économies, tu vas demander même un prêt pour une entreprise. Tu écoutes ta femme. OK. La femme lui dit, allons-y. Faut payer un cas de transport, tu vas faire du transport. Il est allé payer un mini-car, ainsi de suite. Le car tombe en panne. Il a perdu tous ses millions. Il a fait grâce, on l'a dédommagé parce qu'il a eu des déplacements ici à Abidjan. Donc, on l'a dédommagé, on a envoyé de l'argent. Sa femme lui dit oui. Et elle est fatiguée, il faut qu'il se déplace pour aller, je ne sais pas où, en voyage. Paf! Elle a proposé un autre projet. Qu'elle a proposé le projet est tombé. Heureusement, tout son argent n'est pas fini. Il a analysé la situation et il a dit, mais attends, on dit que chaque fois que je fais quelque chose, que ma femme est au courant, ça tombe. Soit elle est sorcière, ou soit il y a des esprits derrière elle. Il me rend compte, prophète, on fait quoi? Je dis, ah, il te reste combien de millions? Il me dit, ouais, ce qui me reste. Je dis, faut pas lui dire qu'il reste l'argent. OK? Faut pas lui dire qu'on t'a fait le virement de ça. Faut pas lui dire ça. Il dit, aïe. Il dit, mais c'est moi, je te dis, faut pas lui dire ça. Il dit OK, il m'a écouté. Il a orienté vers un bon projet. Il dit à sa femme, ah, je vais au village, je vais installer les parents. Qu'est-ce qu'un village sans installer les parents? Il fait un détour quelque part sans construire leur maison.
Elle dit, ah, mais toi, mais dans cet asile-là, tu vas trop au village. Il dit, eh. Ah, les réunions, il y a une affaire dans la famille. Je suis toujours obligé d'aller tenir les réunions. Oh, ils sont construits la maison. Ça, il n'a pas dit à sa femme. Jusqu'à ce que, sur un an, où tout est bien là, c'est là qu'il a informé sa femme. Et il a découvert que la mère de sa femme, celle qui détruisait leur projet. Et que la femme s'est déplacée personnellement pour venir chez eux à la maison pour dire que, ah, vraiment, j'étais là-bas, que j'ai fait un rêve. Elle est chrétienne. La belle-mère est chrétienne évangélique, chrétienne sorcière évangélique. Non, j'ai fait un son dans les sons, j'ai vu que vous avez construit maison. Le monsieur n'a rien dit. Il dit, ah, d'accord, il n'y a pas de problème, maman, belle maman. Vraiment, il faut prier, Dieu, on n'a qu'à faire. Il a dit, oui, j'ai commencé à faire ma maison là-bas. Il dit, mais maman, il faut continuer à prier, peut-être bonheur là va venir sur notre vie. Parce qu'elle n'avait pas l'information à travers sa fille, puisqu'elle avait mis des antennes de communication dans le corps de sa fille pour écouter tout ce qu'ils font, même leurs rapports sexuels. Elle, la maman, la belle-mère le sait. Tout, 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 tout. C'est quand on a découvert ça que j'ai appelé la soeur pour qu'elle puisse venir pour que je l'aide pour sa délivrance. On a commencé à couper les liens du sang, le cordon ombilical, tout et tout. Cette méthode-là que vous trouverez aussi dans mon livre, L'esclave des 20 mètres, commencer à déconnecter tous ces liens brisés, à attaquer les antennes. C'est quand on a attaqué les antennes qu'il a piqué une crise spirituelle. Laissez-moi, 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 laissez-moi. Saint-Antoine, elle a livré beaucoup de choses. On a compris que oui, ses parents, sa mère, et puis la conférence de société. Écoutaient toutes les informations. Ils avaient toutes les informations. Et qu'ils ont infiltré même dans la maison une petite fille sorcière. Waouh. Aujourd'hui, il a pu terminer sa maison, même si à la fin, ils ont voulu sécher ses finances. Mais la toiture était déjà là, tout l'essentiel, au moins à 90%, 95%, c'était de la fille. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Je relis encore le passage. Exode 14, verset 14. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. J'ai voulu vous exhorter sur ça aujourd'hui. Comme un père parle à ses fils ou à ses filles, avec tout son amour, pour vous conseiller. Afin que, accompagné par la prière, par le jeûne, par tes moments de consécration, que le silence soit pour toi une arme redoutable qui te donne la victoire sur tes ennemis. C'était l'écrivain prophète Tchao Moïse qui te dit de partager cet audio, de partager cette vidéo pour aider de nombreuses personnes dans le monde entier. Et comme je prends toujours l'habitude de le faire quand je termine, je vous dis Shalom.